Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, aujourd'hui on se retrouve pour deux numéros de notre Indian Springfield, donc le numéro 14 et le numéro 15. Allez, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner, à partager et liker. Allez, on est parti! Donc, fascicule du numéro 14. Eh ben, toujours de très très belles machines en présentation. Donc là, 2021 Indian Scout Bob. Non, bah, je vais pas vous le lisez parce que là, ça va être un massacre. Si c'est moi qui le dis. Bon, voilà. Alors, eh oui, de très très belles machines avec de très belles images. Waouh, superbe! Ah, j'ai toujours rêvé d'avoir un truc comme ça, ou tout au moins de faire un tour avec un truc comme ça. C'est super. J'adore. J'adore. Allez, toujours notre tour du monde. C'est bien, en plus, cette collection nous fait un peu voyager et voir en même temps de très beaux décors, de très beaux paysages. Non, j'aime bien, j'aime bien. Ah ouais. Et puis ça peut donner des idées aussi de road trip. Allez, oh, magnifique, magnifique. Ça me fait penser au petit week-end qu'on vient de se passer entre loulous là. De ah oui, ouais, un très très bon moment. Allez, voici nos pièces pour ce numéro 14. On va continuer le guidon côté gauche. Donc on va lui installer le rétroviseur et tout, la petite poignée qui vont bien, hein, qui vont bien. Donc notre pas à pas, comme on peut le voir ici. Et puis, eh ben, tout simplement, notre résultat final. Voilà, et puis je pense que là, on en aura terminé avec le côté gauche du guidon. Allez, fascicule numéro 15. 2015 Indian Road Master. Bon, ça va, j'arrive à le dire. Ah oui, là, c'est du top confort, à mon avis, là-dessus. Ouais. Ah oui, les longs trajets avec ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je ne suis pas du tout connaisseur, mais bon, je pense que oui, on doit pouvoir voyager sans problème là-dessus. Hop. Un petit tour du côté de notre ami Johnny. Donc on va voir, je pense que tout au long de la collection, on va voir un peu tous les modèles qu'il a eu ou qu'il a utilisé. Donc photo d'époque, je ne sais pas trop de quelle année c'est. Je regarde si je vois. Non. Alors, c'était pour les 33 ans, apparemment. Voilà. Petites fêtes qui sont faites pour l'anniversaire de ses 33 ans. Magnifique. Non, mais regardez ça. Regardez ça. C'est superbe. C'est superbe. Les vues sont superbes. Ah, oh, regardez. Ça donne envie. Allez, les pièces pour ce numéro 15. Eh bien, on va commencer la partie droite donc du guidon. Comme on peut le voir, on a nos pièces que voici. Et puis, ben, début d'assemblage. Hein, donc, pour ce numéro 15. Voilà. Et puis, ben, je pense que le numéro 16 sera à peu près comme le numéro 14, mais pour le côté droit. Allez, on va regarder les pièces tout de suite ensemble. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 14.
rétroviseur en deux parties avec, ce que j'apprécie toujours, le miroir déjà assemblé, où il n'y a pas une partie à coller. Ça, j'adore. La poignée. La poignée en métal. Ouais, ça a l'air d'être du métal. Parce que plastique, non, je pense pas. Je pense pas que ce soit en plastique. Donc, les différentes pièces pour cette poignée. Le support de rétroviseur que voici. Qui est en métal aussi. Ouais, non, franchement, c'est une superbe qualité. Nous avons deux sachets de vis, des vis IM et des vis GM. Le câble que voici, qui doit être, je suis vraiment pas connaisseur, mais il me semble que ça doit être le câble de frein. Donc cette poignée-là, ça doit être le frein avant ou l'embrayage, je sais pas. Vous me direz en commentaire, parce que franchement, je ne connais pas du tout, du tout. Ensuite, nous avons des vis HM et un ressort. Donc ça, c'est pour les pièces de notre numéro 14. Numéro 15, eh ben, pas mal de pièces aussi. Donc les poignées, la poignée, le côté extérieur de la poignée, côté intérieur. Nous avons des vis, alors là, on a un peu tout, on a des vis AP, on avait des vis IP. Ici, nous avons les petits boutons qui vont venir sur le Komodo. Des vis EP, hop, je vais les mettre là. Et puis ici, nous avons encore tout un tas de sachets avec, bah, tout simplement les petits boutons qui vont venir sur notre support. Ouais, non, là. Ah, on a encore des vis. Et là, c'est des vis LP. Allez, hop, vis avec vis, bouton avec bouton. Nous avons aussi deux câbles. Deux câbles avec petit interrupteur à chaque extrémité. Comme on peut le voir ici. Et puis, nous avons bah, le support pour tous les boutons. Voilà. Et puis, ce que j'aime bien, franchement, j'aime bien le détail jusqu'où ils ont été. Le cache, en fait, qui vient en sorte, enfin, au bout de cette poignée. Et puis, ce petit gravage Indians. Bon, franchement, c'est magnifique. Magnifique. Voilà, allez, on a fini avec les pièces. On va passer tout de suite au montage de ces deux numéros. Allez, c'est parti. Donc, étape 1, on vient récupérer la pièce 14D, la pièce 14E. Donc, on va venir tout simplement les emboîter l'une dans l'autre comme ceci. Ensuite, on va venir prendre une vis GM pour fixer le tout. Alors, qui dit vis GM, ça se termine par un M pour du métal. Donc, petit bain d'huile de la vis pour faciliter le serrage et qui nous confirme bien que bah, tout simplement bah, cette pièce est bien en métal. Si j'avais des doutes, là il n'y en a plus. Voilà. Alors, on va bien serrer ça correctement. Même changer de tournevis pour bien le serrer. Donc l'idée c'est que quand même qu'on puisse faire le réglage, mais que ce soit que ça tombe pas tout seul quoi. Voilà, donc là on peut le bouger encore un peu sans problème et ça tient la position. Allez, j'écarte ça parce que je me connais, je vais faire des bêtises.
étape 2, on va venir récupérer donc le miroir. À l'intérieur, nous avons deux picots. Ici, nous avons deux trous. On aligne les picots sur les trous et on fixe notre miroir. Alors, si je positionne correctement ma pièce, voilà. Voici qui est fait. D'ailleurs, il y a même, je ne sais pas si ça va bien se voir. Comment je peux. Hop, je vais me décaler par là. Voilà, on voit même le petit indien gravé sur le miroir. Étape 3, on va venir récupérer notre pièce 14A. Que voici. On va venir la tenir dans ce sens-ci, donc le trou est légèrement remonté. On vient positionner notre tige à l'intérieur, on retourne le tout et à cet endroit on va venir mettre une vis HM. Hop. Petite vis épaulée, toujours pareil, qui dit vis finissant par M, on visse dans du métal, donc hop, petit bain d'huile. Voici qui est fait. Alors, étape 4, hop, je vais venir poser ça de côté, on vient récupérer donc la poignée. Que voici. Hop, on va récupérer notre ressort. Allez, on est bon. Donc, on vient. Alors, hop, je pense que ça vient comme ceci. Ouais, ça a l'air d'être comme ceci. La poignée va venir s'emboîter ici, voilà. Donc sur la poignée, à cet endroit, on a un picot qui est censé réceptionner le ressort et on vient glisser le tout à l'intérieur comme ceci, si je comprends bien. Ça a l'air d'être ça. Alors, étape suivante, donc j'essaye de faire coïncider les trous. Donc, voici qui est fait. J'ai dû utiliser une pince pour maintenir les deux parties ensemble pour pouvoir passer la vis. La vis, je suis pas sûr que je l'ai passée du bon côté. Si, visiblement, c'est bon, je l'ai passée du bon côté. Et non. Si je prends mon image, ça doit être dans ce sens-là. Bon, allez, je retourne ça. Voilà, donc. Hop, j'ai repassé la vis de l'autre côté, donc au même endroit où on a placé la vis qui sert à tenir le support de miroir. Voilà, ouais, c'est mieux parce que sinon on voit la vis ici, c'est pas terrible. Alors, étape 5, on vient récupérer, hop, notre ensemble. Alors, il s'agit de venir positionner, si je comprends bien, voilà, à cet endroit ici là, entre le commodo et le guidon, on a un écart. On va venir prendre notre patte ici, on va venir, hop, positionner les deux face à face et on fixe le tout avec deux vis IM.
Donc voici notre poignée d'installer sur notre guidon. Donc attention au serrage de cette bague, hein. Serrez pas un côté à fond et après l'autre, parce que ça risque de coincer sévère et même casser. Donc voilà notre poignée. Je crois que c'est le frein, il me semble, hein. Je suis vraiment pas sûr, mais voilà, on a un très bel effet fonctionnel de cette poignée. Bon, je vais arrêter de jouer avec. Alors, étape 6, on va essayer de poser ça comme ceci. C'est vraiment par contre pas évident à travailler dessus. Je vais essayer de tourner un peu. Voilà. J'ai peur pour ce rétroviseur. Ça me fait peur. Il faudrait vraiment un support que je puisse la maintenir en place. Hop. Bon, hop. On va tenir ça comme ça. On va venir prendre notre dernière pièce, pièce H pour ce numéro 14, qui est tout simplement le câble. Allez, je vais l'appeler définitivement le câble de frein. À cet endroit, ici, nous avons un picot et on va venir tout simplement mettre une extrémité sur notre picot. Par contre, un petit coup de cure-dent à l'intérieur. Pour agrandir ce trou, parce que là, c'est serré. Voilà. Et hop, on va venir le pluguer dessus, tout simplement. Voilà. Bon, là, il est encore bien enroulé, mais comme on va pas le passer tout de suite à des endroits, c'est pas grave. Voilà. Bon, et ben, fin du numéro 14. Allez, on va passer au numéro 15. Donc, étape 1 du numéro 15. On vient récupérer la pièce 15A. Que voici. On va venir chercher dans nos petits sachets la pièce 15E. Ça doit pas être celle-ci. Voici notre pièce 15E. Donc on vient la positionner à cet endroit ici. Voilà. On retourne le tout et à cet endroit on va mettre une vis EP. Donc voici pour l'étape 2. En étape 3, on va venir récupérer la pièce 15D. Alors la pièce 15D, alors c'est un petit bouton avec, oups, si je le fais tomber c'est mort. Alors la pièce 15D, en fait c'est le bouton warning, des warnings. Hop, on la positionne à sa place comme ceci, donc juste au-dessus. Pareil, on retourne le tout et on prend encore une vis LP. Ah non, voici, c'est une vis LP, pas EP mais LP. Donc étape 3 et 4, c'est le bouton du warning que l'on vient mettre juste au-dessus. Étape 4, c'est les deux petits, alors je vais rapprocher un peu les deux petits boutons qui sont ici. Étape 5, on va venir récupérer cette pièce-ci que l'on vient. Alors, normalement, ça doit tenir, j'espère. Je vais le faire à l'envers. Voilà, on vient positionner la pièce 15C. C'est tout petit. J'ai du mal à l'attraper dans les doigts. Hop, on vient la positionner à l'intérieur comme ceci. On va la retourner. Étape 6. On vient récupérer
le câble. Alors, le câble, c'est le câble C, normalement, si j'ai bien compris. Voilà. Donc, on vient récupérer le câble C avec l'étiquette C plutôt. Voilà. Donc, hop, on a notre petite étiquette C en bout de câble. On a notre contacteur. On vient le positionner donc sur notre bouton rouge qui est ici. Alors pour l'instant, il n'y a rien qui tient. Il est juste positionné comme ceci. Je vais rapprocher un petit peu. Voilà, ça sera mieux. Étape suivante, donc l'étape 7, on vient récupérer la pièce 15M qui est tout simplement la plaque pour venir bloquer ce bouton. Donc sur la plaque ici, on a un picot qui doit venir dans le trou qui est là, qui permet un bon maintien de la pièce. Hop, alors partie qui est pas vraiment évidente. Je sais pas si on voit bien. Normalement, c'est en place. Alors, je vais le maintenir. À cet endroit, ici, on vient prendre une vis AP pour fixer le tout. Voilà. Bon. Alors maintenant, ce que je vais faire quand même, parce que j'ai un doute. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, donc la plaque est en place, le contacteur en dessous de la plaque est sur le bouton. Donc j'ai légèrement collé les deux pour que ce soit plus facile à poser, parce que c'était une grosse galère. Ensuite, cette vis-là, ne pas trop la serrer, parce que je me suis aperçu que si on la serrait à fond, bah, le bouton ne faisait plus clic-clic. D'ailleurs là, il faisait bien clic-clic avant. Oui, je sais, c'est bête. Non, ouais. Allez. Voilà, le problème, c'est que là, j'ai plus le cliquetis du contact. Voilà. Donc là, je ne sais pas si on l'entend bien, mais c'est bon. Alors, étape 8, on va mettre ça de côté. On vient récupérer la pièce 15B que voici. Alors, on vient la positionner dans ce sens-ci. On prend notre pièce 15H, donc le dernier bouton qui reste, et on vient le positionner à cet endroit. On retourne le tout et ici on va mettre une vis EP. Voici qui est fait. Étape suivante. On retourne le tout. On vient récupérer le câble D. Donc câble D que l'on va venir positionner à cet endroit. Donc voici ce que ça nous donne. Alors là par contre ça va être assez galère, je le sens, puisque sur l'étape 10 on va venir récupérer l'ensemble que voici, et il s'agit alors de venir mettre les deux parties en place. Et alors là, je vous explique pas la galère, puisque il faut maintenir le tout ensemble. Donc le premier vient ici,
La deuxième partie doit venir à cet endroit. Hop, dans le bon sens, ce serait peut-être un petit peu mieux. Je pense que ça vient comme ça. On fait attention de ne pas coincer nos câbles. Ça. Alors, est-ce que je suis à peu près bon? Ça devrait être à peu près bon. Voilà. Parce que là, il me manque une pièce et c'est là où ça va être super agréable puisque ce contacteur, il n'y a rien pour le tenir. Donc, il s'agit de venir. Ouais, là, c'est vraiment pas bien étudié. Il aurait fallu un petit support ici pour maintenir ce contacteur. J'ai peur de le coller. Donc, voilà, j'ai réussi quand même à assembler les deux parties ensemble. En fait, le petit contacteur, donc... qui est le contacteur D qui sert pour la poignée de frein. J'ai réussi à le coincer dans la structure de façon à ce qu'il se place et qu'il ne bouge pas au moment de l'assemblage des deux parties. Vous connaissez If You Moment Later, là je crois que ça a été plutôt Eternity Later. Voilà, bon, allez, on va passer à la suite. La suite, on va venir mettre 4 vis EP, donc ici, j'ose même plus bouger. De peur de devoir recommencer. Allez, on met nos 4 vis. Voici qui est fait, donc derrière, on aura... un bouton qu'on n'a pas accès encore, mais quand on installera la poignée, donc la même que celle-ci, hein, mais qui sera le frein, on actionnera les feux arrière, enfin les freins, les feux stop plutôt, je vais y arriver. Allez. Donc ça, c'était notre étape 10. En étape 11. Alors, étape 11, on vient récupérer l'intérieur des deux de la poignée. Elle vient se positionner comme ceci et comme ceci. Donc en dessous, nous avons deux trous pour venir fixer nos vis IP. Donc voici les deux vis IP, donc par en dessous sont fixés. Hop, je fais attention quand même parce que ça me fait peur. Étape suivante, je vais ramener ça dans le cadre. On vient prendre notre poignée que voici. L'on vient glisser à l'intérieur, tout simplement. Et donc, étape 12. On vient récupérer le bouchon qui est ici, donc pareil que de l'autre côté, on a un des trompeurs ici qui vient comme cela. Voilà. Et donc, numéro 15 terminé. Alors, je vais essayer de reculer ça un petit peu. Je vais le maintenir comme ceci. Est-ce qu'on voit bien tout? Donc, voilà. Hop, on a notre... enlever les fils, on va passer comme ceci, voilà, on a donc la poignée droite, hop, si je mets ça comme ça, ça sera peut-être un petit peu mieux, voilà, donc poignée droite avec tous les commodo d'installer, donc celui-là en fait je ne le sers pas énormément puisque au fur et à mesure que je sers cette pièce-là,
eh ben mon bouton ne veut plus piquer. Voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.